Hello tout le monde, c'est Tonton Blue. Voilà, on se retrouve sur un petit tuto astuce concernant la version actuelle dont j'ai, que tout le monde a, la 1.1. En fait, il y a un bug qui peut être gênant, c'est que quand on a un joystick, un volant et une manette, quand on veut modifier plusieurs touches, ça fait planter le jeu. Donc j'ai dû le désinstaller. Moi j'ai fait plusieurs fois, désinstaller plusieurs fois, réinstaller. Et en fait j'ai trouvé la solution. C'est pour ça que je vous laisse cette petite vidéo qui peut vous aider. Et c'est très simple. Et en fait le jeu ne buggera pas. J'ai fait plusieurs essais. Alors on va directement dans les réglages des commandes. Alors déjà vous activez déjà votre votre manette, votre volant, hein, manette volant hein, sur on. Et après sur les commandes, on a tout sur les au niveau de la manette. Alors si au niveau de la manette vous modifiez plus de 3 commandes, on va dire 1, 2, 3, vous sauvegardez, ça plante, obligé. Alors ce qu'il faut faire c'est 2 par 2. 2 par 2, ça plante pas. Si vous faites vous modifiez 2 on va dire baisser l'équipement, atteler l'équipement, vous modifiez ça, les deux, et vous sauvegardez tout de suite. Et vous allez voir, le jeu il va se sauvegarder normalement, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites 3x3, en fait, là ça va planter et là vous êtes foutu. Voilà, bah tiens, comme en même temps j'en profite la seconde joystick, il y a un petit truc qui me gêne, c'est la touche 12. C'est dans les vues, c'est dans les vues, voilà. C'est dans les vues, ça je vais supprimer parce que ça me gêne. Hop, voilà, j'en ai fait qu'un. Même vous faites qu'un par un pour être tranquille. Sauvegardez. Voilà, ça marche. Voilà, c'est bon, ça a marché, c'est sauvegardé. Alors faites 2x2, parce que quand vous en faites déjà 2x2, il y a un petit moment, un petit écran noir, ça revient, tout ça, ça sauvegarde. Mais vas-y, on a un seul, soyez, ça a pas merdé. Ça, c'est le petit truc. Ah voilà, c'est une petite solution que je vous ai dit au niveau de ces réglages. Vous pourrez utiliser maintenant votre volant, votre joystick ou votre manette. Bon, vos manettes, elles sont configurées par Farming. Je crois qu'au plus, on m'a dit que c'était pas mal pour les manettes. Mais pour joystick et volant, pour ceux qui veulent modifier leur paramétrage, faites 2x2 et sauvegardez. Si vous faites 3 commandes, plus de 2 commandes différentes à modifier et vous sauvegarder, ou planter le jeu obligatoirement. J'y dis obligatoirement parce que j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé au niveau de ça. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous dis à la prochaine sur ce beau Farming Simulator 15 qui est superbe. Et là, je suis en train de m'amuser avec. Qu'un bon délire, et on se retrouve bientôt pour concernant ce jeu, et je vous dis à plus tout le monde, abonnez-vous, aimez, et surtout partagez, parce que ça peut aider énormément de monde. À plus.